j'espère que vous allez bien. Nous, ça va super. On se retrouve aujourd'hui dans une toute nouvelle vidéo. Alors, je crois que je ne l'ai jamais fait sur ma chaîne, donc ce sera ma toute première et certainement pas la dernière, parce que moi, ce sont des vidéos que j'aime trop regarder. Ça va être un retour de course. Comme vous le savez, on va bientôt déménager, c'est-à-dire que ce sera un retour de course un peu spécial. Ce ne sera pas, on va dire, ma façon habituelle de faire des courses, voilà. Et mon budget, c'est ça. Pour une semaine, 40 euros. En fait, pourquoi je fais des petites courses et que j'essaye d'acheter des choses pour ne pas pouvoir stocker, c'est parce que moi, quand je déménage, je déteste devoir transporter de l'alimentaire. En fait, là, les placards sont presque vides, le frigo pareil. Et en fait, je fais vraiment les courses pile poil pour que le jour du déménagement, ben, qu'il y ait très peu de choses niveau alimentaire à transporter. Donc du coup, je pense que si je fais pas de réserve ou que j'achète pas en double, 40 euros, ça suffit largement pour nous tous. Et puis donc voilà, donc le programme s'est passé à Lidl et ensuite passé à Grand Frais. Donc j'ai évidemment fait mes menus. Voilà, vous avez vu que le budget était assez serré et je vous assure que ça, c'est vraiment une bonne solution pour pouvoir le contrôler, faire ses menus et faire sa liste de courses. Donc je ne vais pas à l'aveugle à Lidl, je sais exactement ce qu'il faut que j'achète. Donc vous allez voir, ça va être normalement de l'express. Et puis je vous reprends tout à l'heure pour vous montrer tout ce que j'ai acheté. Never seen her in town. Now I had the guts to say you stop, don't call her to behave. Need to make up my mind, this gentleman lives night by night. Les filles, si vous saviez l'heure qu'il était, franchement, voilà quoi. En tout cas, si vous êtes sur Instagram, vous savez pourquoi je ne fais la vidéo que maintenant, alors qu'on est le soir. Donc, je vous montre à peu près tout ce que j'ai acheté à Lidl. Je vous ai dit que je passerai à Grand Frais, mais finalement, vous voyez, j'ai pris de la salade et de la tomate, donc c'est pas nécessaire en fait d'aller à Grand Frais pour ça. Désolée, toujours le même camou. Donc, je vous disais que franchement, salade, tomate, c'était pas nécessaire de passer à Grand Frais pour ça, quoi. Et il y a ces petits trucs, du cornet de beef. Je vous cache pas que ça, ce n'était pas dans mon menu, mais du coup, j'ai enlevé un repas pour le mettre dedans. Apparemment, ça se mange avec du riz. En fait, pour la petite histoire, on regardait un film, l'autre fois, avec Abel, un film américain, et l'un des personnages mangeait ça à la cuillère, en fait.
Et je disais, mais attends, comment tu peux manger du bœuf en boîte et tout? Je comprends pas parce que, apparemment, les Américains raffolent de ça, mais moi, je ne me vois pas trop le manger. Et donc, Abel me disait qu'il en avait déjà mangé et que c'était trop, trop bon avec du riz, etc., etc. Donc, du coup, il ne sait pas que je l'ai acheté, il ne sait pas que j'en ai trouvé à Lidl. J'espère qu'il va l'aimer, celui-là. Mais je vais essayer d'appeler sa sœur pour lui demander comment on le fait. Et puis, je vais lui faire et puis je vous ferai aussi un petit retour si toutefois c'est bon. Donc voilà, et je m'en suis plutôt bien sortie parce que j'en ai eu pour 37 €. Donc j'ai bien respecté mon budget. Donc je pense vous mettre en barre d'infos. Oula, je pense vous mettre en barre d'infos le menu. Voilà. Après, ne soyez pas étonnés. Hein. Là, vous vous dites, mais attends, c'est quoi ces menus en fait? Qu'est-ce qu'elle va manger pendant une semaine? Mais dites-vous surtout que c'est un repas par jour. Et puis moi, pour faire les menus, je regarde déjà ce que j'ai dans les placards et ce que j'ai dans mon frigo. Donc, pour éviter de jeter, de gaspiller, je ne rachète pas des nouveaux trucs. J'ai fait mes menus à partir de ce qui me reste. Et puis après, j'achète ce qu'il me manque. Donc, voilà. Quoi vous dire d'autre? Ben, c'est tout. Maintenant, on va passer au nettoyage du frigo. Et puis, on va ranger tout ça. Et voilà les filles, on est à la fin de la vidéo. Bon, c'est une vidéo qui a été assez courte, voilà. Mais bon, comme vous savez, j'ai encore beaucoup de choses à faire pour ce déménagement. Donc j'espère que vous avez quand même apprécié. Donc n'hésitez pas à me suivre aussi sur Instagram. Je vous mettrai tout en barre d'infos comme d'habitude. Et puis je vous dis à la prochaine dans une autre vidéo. Bye !